Les gens dans la salle, robots et cyborgs, debout pour l'hymne national. Bonsoir, mon roi. Vous m'avez appelé. Me voici, me voilà. Tralali, tralala. Les robots savent pas qu'on est ici. Il faut que ça reste de même. J'ai dormi au théâtre. J'ai dormi notamment au TNM. Ça fait cher la sieste, vous me direz. Bye, bye, bye. Bye, 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 bye. Je vais faire un arraché là, en moins de deux secondes. Je prends ton tel et puis j'accélère. Je peux pas faire la malasse, ma mère vit dans un HLM. Je peux pas acheter peur de l'autre. Ah oui, je me disais aussi. Alors toi, t'es gay? Non, 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 mais c'est moi qui ai un radar. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Oui, je sais, il aime les garçons. On est tous les deux des petits-fils de mineurs italiens. Et il y a une question à laquelle on aimerait bien répondre. C'est-à-dire qu'il y a une question qu'on nous pose tout le temps, à Hervé et moi, quand on nous rencontre. Et cette question, c'est... Tu viens d'où? La pauvre petite fille catholique bien élevée qui se laisse tapoter par des hommes fuckés. Je vais me tuer en tombant en bas du stage. Bye. C'est compliqué, la solidarité. Et nous nous endormons sur le divan à la grande déception de la réalité, du patriarcat et du chauffeur de taxi numéro 4. On dirait que ce sera plus jamais moi. La fille qui s'arrache les viscères puis qui se les sort du corps pour écrire des textes épiques, pamphlétaires puis sulfureux. Je suis en colère, entendons-nous bien. Je suis une femme noire en colère, souvent très en colère. Mais pour être précise, en fait, je n'ai pas de fond dépressif. Mais je me reconnais dans le pas gentil du tout, surtout parce que l'époque dans laquelle on vit est justement... Trop gentil, c'est pas le mot, mais disons... trop molle. Moi, là, docteur machin con, je fais pas ça, des hystérectomies. Non, je vais vous référer à un autre docteur qui fait ça, ces affaires-là. Elle est belle, elle est bonne, elle est grande. Elle est longiligne, comme son père. Moi, j'ai les hanches fortes. Monde de patriarcat du monde, j'en peux plus. Sorry, boys, but the time has come. Par applaudissement, est-ce qu'on a déjà touché votre corps sans votre consentement?